Eh ben oui, on balance la rediff. Donc petit changement d'armure. Je sais pas c'est quoi comme armure, j'ai oublié le nom de l'armure. I forget the name of the armure, je vais regarder. On va aller dans le truc de forgeron. Améliorer l'armure. C'est glaive nu. Voilà, je peux pas upgrade mon armure. La tristesse est totale. Elle est orientée critique. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et puis voilà. Bon, 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 bon. On va aller au village de Noita. Ah oui, et puis j'ai aussi des nouvelles armes. J'ai fait punition Nergal, écraseur Nergal et murmure Nergal. Je savais pas. Je voulais montrer à quoi ressemblaient des piliers. Elles sont stylées. Donc attendez. Avant toute chose. Ah oui, puis j'ai un nouveau monsti. Ah ah, que j'ai trouvé en faisant des tanières rares. J'ai le. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai le Nergigante. Voilà, en plus il est brise-roche. Et on va prendre la fortune. Non, c'est pas toi. Toi, t'es le chat. T'es le vilain chat, toi. Le chapabo. C'est ça, la fortune. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre une Nintendo Switch? Alors ça, c'est une très bonne question. Je dirais que pour les peu d'exclusivités qu'elles ont, je dirais que oui, ça peut valoir le coup. Ça dépend à quel point tu veux jouer aux exclusivités Switch. Sinon, non, c'est pas une console que je trouve spécialement intéressante. Par exemple, Monster Hunter Stories 2, il est sur PC. Genre, c'est sûr que quand on regarde toute la campagne de communication du jeu, c'est Switch à gauche, Switch à droite, Switch par-ci, Switch par-là. Alors que le jeu est actuellement sur PC, moins cher. Et comme tu peux le voir en haut à droite, as. Voilà, t'as plus de 120 images par seconde, tranquillement. Enfin, normalement, je suis à plus, hein, je suis à 144, mais c'est juste que vu que je suis en fenêtré et que je stream en même temps, bah forcément. C'est un peu plus. Alors, les dégâts infligés... Une prière de puissance, voilà. Et puis nous sommes prêts. Alors, nous allons donc partir, on prend le Rata au cas où. Donc on va aller au village de Noaté pour... Bah rendre la quête, tout simplement. Mais en vrai, il y a des très bonnes exclus sur Switch. Les Bravely Default, les Triangle Strategy et tout, moi je suis archi fan de ces... Oh là, ils sont là eux. Donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup. Mais essaye de voir si tu peux en avoir une d'occasion pour pas y laisser des plumes, parce que je trouve que la console est quand même très chère. Et surtout quand on te sort une news en mode « Ouais, jouez pas à la console l'été parce qu'elle chauffe. » Elle peut cramer. À l'aide quoi, genre... D'accord, très bien, merci. Ah. C'est qui? Oh mon dieu, révélation! Voilà, c'est Zellar. Je me rappelais plus de son nom. いい気がすけもない。やり手だな。いいケスかないこと。デウスを奪ってどうするつもり？あなたはとても鋭い感覚をお持ちです。しかしながら、今世界で起きようとしていることの本質を分かっていらっしゃらない。光は強さを増し、的を色まで変えようとしている。私には、アルトゥーラが世界を破滅に向かわせているようにしか見えない。 アルトゥーラ、あなたが大いなるものと呼んでいるモンスターの名前よ。良い名前だ。本質の続きを話しましょう。世界は破滅に向かおうとしているのではない。大いなるものの目覚めによって新たな世界が始まろうとしているのです。全てが終わりを迎え、そして全てが始まる。私は大いなるものが作る 新たな世界を見てみたいのです。何言ってんだ？この世界が終わってもいいってのか？お前だって信じまうかもしれないんだぞ。世界は滅びと誕生を繰り返し成り立つものだ。その流れから私たちだけ逃れることはできない。嫌だ。俺は死にたくないね。レウスを渡してくれ。
大いなるものを目覚めさせるにはレウスの力が必要だ。あなたは最初から知っていたのね。レウスが破滅をもたらすモンスターでないことも。破滅をもたらすモンスターなど言はしません。モンスターはただその生を全うしようとしているだけなの。サロー、大いなるものも同じこと。エドはアルトゥーラを止めようとしていた。守りレウスがレウスを守っていたのもアルトゥーラを止めるためよ。目覚めさせるわけにはいかない。レドは道半ばで行ってしまった。大いなる者の目覚めを知ることなく、レドが生きて真実を知ったとしても同じ道をたどっていたはずだ。ありえない。私たちはレドが果たせなかったことをする。残念です、エナ様。あなたは私の考えを理解してくれると思っていた。レウスだって命がけで俺たちを守ろうとしてくれてるんだ。俺も戦うぞ。一勝負始めるぞ。承知です。サロー、 ils oublient des petits gros mots des fois. Salut Thibaut, c'est le nouveau méga gros Stan Lacassa. Vas-y Rathalos, sois énervé. Oh là là. Ah ouais. Des raptors, des gens à pied. Personne ne pose ses pattes sur Ratata. Rider on. T'as avec le Rathalos derrière qui fait le vénère là. Ah c'est beau. Oh c'est beau. Nous ne pouvons rien faire pour te convaincre d'arrêter. Ne sois pas si naïve. Je pensais avoir été clair. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. On discutera quand tout sera fini. Genre, je sais pas, j'ai pas lu. Zinogre, il est vitesse. Et c'est pour ça que je vais appeler Astalos. Alors je suis pas très habile sur les combats PVP entre guillemets. Ouf. Lui il est force je crois, non? En fait ce que je vais prendre, ma hache. Et je vais gagner tous les duels. Comme ça, je vais stacker à mort. Et après, je fais mon gros coup de hache là. Attaque foudre plus. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, monsieur Zinogre. Ah, il est mort. En selle. Alors lui il a perdu un cœur, donc je vais tout mettre sur... Oh fait chier. Sur lui. Oh, en plus il est sensible à la foudre. Ça a pu redonner un peu de vie à mon Astalos. Oh il bave. Vous savez ce que ça veut dire? Demolition start! Oula, c'est quoi son attaque à lui? Ouh! Wow! Alors j'avoue, c'est... ça c'est badass. Ça va bien et toi, Monkey? Comment est-ce? Oh! Ça c'est classe ça! Il est mort lui. On va focus sur lui hein. Alors je vais pas mentir que je vais lâcher une petite poudre de vie. Voilà, histoire qu'on se remette bien.
後だ。En vrai, ce sort il est grave stylé! Genre, il focus tout le monde en même temps. Bon, toi, il va falloir qu'on sévisse assez vite. Je crois qu'on va prendre la max hein. Là voilà la max qu'on prend dans la gueule. Mais oh, attaquez-nous pas comme ça. Fait toujours son coup incroyable. Allez hop, ça dégage hein. Ah c'est pas fini. Ça va bien et toi GGH? Je vais hyper bien. Ah nice. Le meilleur archer que j'ai vu. Ah oui je le veux dans mon roster FF4. Ouh. Merde, le tigre comme ça là, je crois qu'il est force. Je vais reprendre ma hache. Ouais, il est force. Merde, j'ai pas. Lui, il était, je crois. Ah ouais, mais vu qu'il a augmenté son. Il est toujours technique, ok. Focus. Hop, l'esquive. Les forces, j'avais dit à droite, hein. Putain. Oh, ça focus Kyle hein. Moi je suis là, j'essaie de gagner des duels. Allez Kyle. Voilà, ça c'est le Kailu que je connais. Bon. Le coup double aurait été intéressant. Ah bah oui, le coup double les amis. En vrai, j'aurais dû prendre l'arc et bombarder comme Kailu. Qui peut me tester maintenant? Est-ce qu'il y a un autre combat là? Je suis prêt là. Let's go! Non,
Il est où Rathalos? あなたたちに知らせないといけないことがあってきたの。話はしばらくから聞いたわ。アルトゥーラが大穴の原因だということも。ああ、アルトゥーラは今も成長を続けてる。光が青色になったら世界は破滅してしまうかもしれないんだ。あなたたちを最初から信じていれば、 こんなことにならずに済んだかもしれない。ごめんなさい。ノー、ジャクセプテパ。もういいんだ、リリア。それにリリアならいつか分かってくれるって信じてたぞ。ナビル。え、ウェラタロス。それで俺たちに知らせないといけないことがあるって何かあったのか。初死体でアルトゥーラを調べて分かったことがあるの。 大昔、アルトゥーラが誕生して住処にしていた場所よ。今は封印されていて誰も立ち入ることができないわ。それはどこに？ハコロ島よ。マハナ村が危険だわ。そんな。 Je suis étonné. ハコロ島まで一緒に行くわ。 急ぎましょう。 Un Zelard qui fait partie des vilains riders. Le Nidoltura qui est ici. Ah bah c'est pour ça qu'il y a le Ratagardien en fait. C'est ça qui garde. C'est la porte du Nidoltura. Reste. Alors il y a un giga, il y a une giga éruption sur l'île à droite, mais eux ils voient quoi? Ils voient que le dirigeable. Ah le Vlarata. Kina, mura no minna wa buji ka? Eh, buji wa buji. Da kedo. Sono Reus wa moshi ya. So. Rippa ni seichou shita no ne. あれは村の皆が祈りを捧げているのだ。どうかしました？いや、祭りに使われてたってことは、なんか意味があるのかなと思って。なんだ？茜色の空が、茜の空が青く染まる前に。 奇妙な光はモンスターが原因よ。アルトゥーラという名のモンスター。何？そのモンスターが生息していた場所は大昔にこのハコロ島で封印された。エレイは、まあ、知らない。あの人は知らない。この地一帯を滅ぼした凶暴なモンスターの伝説があってな。そのモンスターと共に、その場所は封印されて禁足地となった。そこだ。 レドはずっとアルトゥーラの調査をしていた。レドはこの死体を予期していたのか。Ah, et en fait les Ratalos sont tous partis pour le poursuivre alors. Soit elle l'attire ou soit ils vont vers elle pour détruire Ultura. Ultura. Ah non. Ils disparaissent comme des papillons. T'inquiète. Je vis là. Tsukino, 俺たちも行くぞ。
大勝負の予感です。お願いレウス、みんなを守って。Non. La fin est proche, le ciel commence à perdre sa couleur rouge et se change en bleu, une couleur qui présage le chaos à venir et qui remplit de terreur tous ceux qui la regardent. La lumière provient des terres interdites, situées sur l'île d'Akolo. Allons aux écuries voir ce qu'ils ont ramené. Non. La map est stylée comme ça. Il y a une tanière rare. Mais je... Deux tanières rares. Mais je ne m'y n'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas, non. Koko ni iru no ne. Ah. Kowai. J'ai qu'un œil. Tsutomo bibitte nan ka nai zo. Watashi mo kowaku nai. あなたたちと一緒なら行こう。De toute façon, tu ne bats pas. Le vrai frérot là, c'est Kailu! De toute façon, c'était sûr qu'il allait devenir notre ami. Ah, attendez, je tente un truc. Voilà, je désaffiche la FPS. Moi, ça me dérange pas, mais ça peut être dérangeant pour certains d'entre vous. Moi, je le fais quand je joue. J'aime bien voir comment ça tourne et tout. Alors, donc ici on a, nous n'avons jamais... Oh là, un Pouké Pouké. Écoute. Ils sont beaucoup trop stylés les Pouké Pouké. Attends, comment je fais pour récupérer ce coffre? On pourrait escalader un truc Ok, c'est par là. Parce que bon, on va prendre les coffres, je pense que c'est les coffres d'une map comme ça. Ça peut être qu'intéressant. On va avoir des potions de vie. Steak à point. Zuber. Hop là. Salut Volcane, comment ça va? Oh les Pookés quoi. On a déjà été ici, c'est bien ce que je me disais. Dans là-bas il y a un coffre. Ah non mais si je suis déjà venu ici, c'est des coffres éclatés en fait. Grosse déception. Pour la de la part du joueur français. Et Chamara, tu penses que c'est quel genre de monstre, Ultura? J'ai vraiment par curiosité ou parce que t'as peur? Il m'en faut plus que ça pour avoir peur. Ouais. Bah j'ai pas vu le monstre vert qu'on a vu, ça se trouve... Ça... Et putain, ce qui serait stylé, c'est que Ultura, ce soit un espèce de kraken, tu vois, un kraken de terre, un monstre tentaculaire immonde. Mais immonde stylé, tu vois, pas immonde immonde. Critique G. Oh. Ouais non, j'ai gardé ce que j'ai là. Hein. Putain, l'eau est rouge et tout.
Bon. Donc là, on va affronter Ultura, là ? Franchement, vu... Oh la vache, il m'a fait flipper ! Franchement, vu la grosse bête tentaculaire qu'on a vue, là, j'espère que c'est une bête badass comme ça. Voilà. La question c'est, est-ce qu'on peut avoir Ultura comme monstre ? Non, je pense pas. C'est un monstre immense. Je pense pas que ce soit... Wow, il est trop classe ! C'est le Tigrou de Avina, mais en mode... En mode, je me suis trompé de chemin. Mais rougeoyant. Non, je pense pas qu'on puisse savoir si c'est un monstre gigantesque et tout. Ce sera un monstre un peu premium, quoi. Ça, c'est le côté dinosaure, ça. Qui donne cette sensation, je pense. Ok, il y a que des... des monstres énervés, hein. Je pense qu'un Anjanath énervé, ça doit pas être de tout repos. C'est un Astatos. Ouais, c'est ça. Il vole sur la map. Potion secrète. Oh merde. Grou. Je vais aller sauvegarder dans l'antre des chats. Comme ça, si jamais il y a embrouille, je recharge direct ici, je me retape pas tout le chemin, quoi. Ils ont pas peur, hein. On dirait bien un antre féline. Moi, j'ai la tempête dehors, on est en alerte orange, il a dit, Google. Eh oui. Oh. Anti-brûlure. Ok. Allez. Ta-da-ta. J'ai la flemme de me faire charger par tous les monstres du jeu là. Tanière du Rata Gardien. Donc tout va jouer dans la forêt du Rata Gardien. Oh là ! C'est le Rata Gardien ? しなかった。
Il est aveugle là. レウスが必要だ。レウスが勝てとなれば大いなるものは完全に覚醒する。お前本気でこの世界が破滅してもいいと思っているのか。人を中心とした世界が終わりを迎えるだけだ。人間は儚く非力で何も成し得ることはできない。レドが亡くなった時にそれが分かった。この世界は終わりを迎える運命にある。 私たちは新たな世界を受け入れるべきなのだ。人間は私たちより短命で儚い存在に違いないわ。だけど人間には絆の力がある。仲間やモンスター、ここにいない人たちの気持ちをつなぎながら人間は成長をしていく。それをこの子たちが証明してくれた。私は人間の力を信じるわ。 することは何もない。レウスが導いてくれる。さあ、あなたたちも。 乗せてくれるのか。 Oh là 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 là. Oh là là, mais moi je veux qu'il reste comme ça, mon Rathalos. Non, Rata gardien. Ça, il y a un petit point de sauvegarde. Voilà. On sauvegarde. Ça veut dire en cas d'embrouille. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux revenir en arrière? Non. D'accord. Genre, il est KO, mais on peut lui dire: s'il te plaît, tu peux me ramener. Ok. Bon, bah si... On va mettre Y en premier, hein. Il sera type force. Et moi je veux qu'il reste comme ça.
On dirait Dracaufeu Shiny Super Méga Évolution là. Nous sommes amis. Il est plutôt tanky. Oh là là. La grosse hache. Oh là là, on affronte le Rata Destructeur, j'arrive pas à le croire ça. Rasengan! En fait, c'est un Raiton Rasengan, le bordel. Oh lolololo. Ça, c'est la classe. Vous pensez vraiment que votre amitié vous sera d'une quelconque utilité? Pour le moment, oui. Un Chidori, quoi. Ouais, mais ça faisait une boule. Voilà, buff toi. Sky High Hall. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Ouah, mais c'est ça que je veux. One shot.
Attends, et t'as pas vu mon coup spécial ? Le tourbillon météore dans ta gueule ! Il en fait deux comme ça là. Allez, on fait trois. D'accord. À la quatrième. Je pense qu'on n'est plus à ça près. Hein. Hop là, petite poudre de vie. Non, on brûle! Bon, je pense que je devrais avoir assez. Yo Black Sky, comment ça va? Yuaku, comment ça va? Le ratail va tomber, hein. あれは
Après avoir mangé un ratalos avarié, il mourut d'une intoxication alimentaire. Fin. Bah GG wellplay. C'était une feinte. Oh, c'est lui, Ultura. Ah, il y a un côté majestueux quand même, hein. Faut arrêter d'être con. On dirait un espèce de gros insecte qui laisse des spores sur son passage. Cher Yukun-kun, comment ça va? Le Rata Gardien disparaît dans la lumière d'Ultura et vous êtes réunis avec Red alors que la mission touche à sa fin. Le sacrifice du Rata Gardien réveille Ultura, la vérité que Red cherchait depuis longtemps. Vous vous envolez pour votre dernier voyage avec Rata. D'ailleurs... Pourquoi je ne vole pas? Je veux bien m'envoler hein, pour mon dernier voyage. Ah, oh là là, il m'attend au-dessus de sa tour, tel Articodin. Par contre, le méchant aurait dû mourir. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le côté de... je te fais un sermon de une seconde, mets fin à des années de lubie, tu vois. Genre ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Il aurait dû mourir dans sa connerie jusqu'au bout. Genre, je sais pas, c'est des elfes, il a quel âge? 500 ans, elle doit en avoir 50 là et... Ah mon dieu, cette gamine a raison. Toujours vivant, ouais. Oi, 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 oi. Il a un flow. Ultura. Ah, il a quand même un beau flow, hein.
À l'attaque! Il a un cri un peu cristallin. Merci infiniment pour toutes ces aventures à vos côtés. Bon. Bon, il est technique. Nice. En fait, il est grand quand même. Bon, je ne sais pas ce qu'il va être. On va utiliser un talent qui s'appelle contre-estocade. Ok, les forces. Bon allez, on va invoquer Astalo, c'est un peu plus fort. Ok, en fait il crée rien, ce bâtard. Ah mais non, il est fort, faut que je prenne vitesse. Je suis trop con. J'ai un moment d'égarement. Oh là ! Il va évoluer ? Wow ! Mais qu'est-ce qu'il y a avec son collier ? Ah, j'ai pas vu qu'il m'avait mis à 1 HP. Je pensais qu'on était mort et que ça avait consommé un cœur, j'ai pas fait gaffe. Alors est-ce que ces ailes ont une faiblesse au niveau de l'arme ? Oui.
Non, mais visez les ailes que je vise! Je sais plus du tout c'est quoi le nom. C'est une des dernières. Je dirai le nom après le fight. Ok, il va faire une tempête de chaque élément là. Ouais, c'est ça, Glavenus. Oh, il est passé force. Ah, mais il troll aussi mon monsti, putain. Bon, il est vite, il fait une attaque technique. J'ai pas vu ma vie. Ouais, première, oui. Hop. Haute tension. Est-ce qu'il vise les ailes au moins? Ah non, il se charge. Allez, il manque une crotte de nez. Il est redevenu normal, donc normal il était... Il était quoi? Ah, il était force, non? Non, force était là. Il est technique. Eh, au pire, j'appelle lui là. Et on verra bien ce que ça donne. Oh, vu qu'il a aucune faiblesse, on va prendre le plus gros marteau que j'ai. Et technique. Ouais. Parce que j'avais appelé Astalos là et. J'avais dit, mais quelle erreur!
J'aimerais bien charger ma jauge d'amitié avec le nerf gigante. C'est la première fois que je joue avec, hein. Je l'ai eu là tout à l'heure, là. Elle est énervée, donc il est passé. Force ? Oh, je sais plus. Ouais, il est passé force. Aïe ! Bon. Putain, le nerf gigante là. Hop. Oh oh oh, le critique. Cette armure elle est full critique. Et ça se voit parce que dès que je crit là, oh là les dégâts. Ah, j'aimerais bien voir l'attaque spéciale avec le nerf gigante. Nerf gigante. Voilà. Il va refaire sa truc avec les ailes là. Oh, il y en a 6! Bon, ça m'énerve là! Qu'est-ce que t'as compris là avec son collier là? Fais un truc! Absorbe-le dans un portail! Va devoir se prendre combien de fois avant qu'elle comprenne à quoi ça sert son putain de collier là? Ah, lui il est givrant. Elle est passée vitesse. Mon style préféré c'est Pouké Pouké. Il est trop classe. Kailu! Oh là là, il met des patates, le nerf gigante, il est trop classe. Ah merde, j'ai pas changé d'arme. Gain de force. Ah oui, est-ce que t'en avais vraiment besoin? Oh lolo 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 lolo. Oh putain, je peux encel. Accrochez-vous, ça va secouer. Pour la potion. Alors, attaque point destructeur. J'espère qu'il est stylé.
Voilà, c'est un boxeur. Eh ben un coup de poing, je suis un peu déçu. Putain, il est vitesse. Faut que je swap. Putain, j'avais dit que j'allais swapper. Nergigante. Allez, Pouké, Pouké. Merci, Kari, pour l'abonnement avec Prime. Et merci, utilisateur anonyme, d'avoir offert un abonnement de niveau 1 à Matisse. Qu'est-ce que je dois faire? Mais non, mais Kyle, tu trolls, putain! Kyle! Ouah, Kyle! Pire que mon style! Arrête de charger! Pascal de réponse. Ça c'était drôle. Pascal de réponse. Oh, ce manque de respect quoi. Ne manquez pas de respect à... à mon Pouké Pouké. Il jette des cailloux avec sa queue, ok? Voilà! Voilà! Libération. J'espère qu'on en a bientôt fini. Merde, il est passé quoi maintenant? Il est passé technique. Vas-y, Nergigante! Oh! Il est fâché, hein. Je lui mets une méga potion. Parce qu'il me reste un cœur et qu'à tout moment ça part en ça troll. Est-ce que j'ai pas un item qui peut me rendre un cœur? Je vais regarder. Non mais il fait trop mal le Nergigante, c'est terrible. Alors, immunisateur. Non, non. Qu'il y a un truc qui... J'ai pas un seul truc qui me rend des cœurs. C'est terrible. Bon. Ah non, j'ai pas, hein. J'ai rien qui peut me rendre un cœur. Ah, ça me dégoûte. Est-ce que je tente ça, une petite bombe baril là? Non. C'est pour ça que j'appelais mon Pouké Pouké.
Ouais, non, tu le dis, ça prend sens. Maintenant, quand si je revois réponse, bah pour moi, Pascal sera pas un caméléon, mais un pouquet pouquet, quoi. Bon, là, il est vénère. Donc, il est vitesse. Attendez. Non, il est force. Non, il est force. Donc, il faut que je prenne mon Zinogre. En plus, il est déjà buffé, regardez, il est grave vénère. C'est ça, il est fort. J'ai vu que je pouvais me rebo. Ah bah merci, Ika-kun. Hop, je vais gagner des duels pour booster mon... Oh là là, ouh, pourquoi j'ai une attaque force? Il y a des fois, j'ai des moments d'absence comme ça. Potion ancestrale, essence vitale ou chou au cœur. Je crois que j'ai rien de ça. Bon, par contre, s'ils vont revoir briller son médaillon là et qu'il va avoir 30 000. Est-ce qu'ils vont tilter quelque chose? Parce que bon, au bout d'un moment, le combat, j'ai l'impression, il s'éternise un peu là. Faut attendre que les PNJ tiltent un truc ou alors faut que je lui. Bah alors! Il est mort? Non, c'est un fake. Fake news! J'ai un truc là. En fait, son médaillon, est-ce que c'est pas une pointe de flèche? Est-ce que ça fait un pic? Est-ce que c'est pas une pointe de flèche? Parce qu'à chaque fois, il réagit quand il fait sa méga attaque. Alors est-ce que c'est pas le moment où il est le plus vulnérable et où il faut... Je dis ça, j'en sais rien. Alors là, il est technique. On va faire un swap. Aile droite, aile gauche. Allez, let's go. Quoi ça? Elle ré gauche. Elle ré. Elle ré. Merde, j'ai fait laquelle?
Je vais mourir. Kaido, tu trolls! Au nerf gigante, tu fais pas une attaque technique comme ça! Il fait une attaque vitesse, hein. Hop, swap, hein. Bah quand les monstres ils sont cons comme ça, ça me dégoûte. Ouais, je prends le risque. Non, je suis plus les chapitres de One Piece. Oh non, je vais me la bouffer et je suis mort. Adieu le cœur. Oh c'est Kaido. Oh non c'est... Quoi? Non mais il attaque combien de fois? Kaido! Est-ce qu'il vise un endroit en particulier ou pas? Non, il vise le corps, putain. Elle détruit un truc, Ratalos, s'il te plaît, sois intelligent. Putain, t'es con comme un balai, toi aussi! C'est le mec trop vagé. Bon. Ancel. La dernière fois que j'ai regardé One Piece, c'était avec le gars qui fait chier. Et deux ailes de tomber, deux. C'est trop. César Clown, voilà. Après j'avais regardé vite fait avec Big Mom qui court en faisant cake. Mais j'ai rien compris donc j'ai arrêté de suivre. Un mec qui avait le fruit du mochi et qui avait l'air grave balèze. C'est le dernier truc que j'ai vu. En gros, je pense que je vais attendre que One Piece soit fini et je me ferai la saison 2. Enfin, la saison 2. La saison après l'entraînement. Bon, je te rappelle, Nier Gigante, parce que t'es quand même. Balèze. Même si des fois t'es con comme un balai, quoi. Bien joué, Kaido! Bon, quoi, il a plus d'ailes à attaquer? Bah non, mais pourquoi t'attaques... Nerf Gigante, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais ça y est. Mais ses ailes, elles deviennent de plus en plus shiny. Ouais, c'est une pointe de flèche, non? J'en étais sûr.
Encore un tour ! J'ai combien de tours pour y arriver là? Donc pourquoi on focus pas la même? Et on va prendre votre aile et là vous allez voir qu'ils vont attaquer la mienne. Hein. Il me stresse Kyle à faire des charges là. En vrai ça passe hein. Oui. Imada, ore ga tsubasa no hikari o nerau. Chance wa ichido shika nai zo. Ah, wakatteru. Il était pas facile quand même le combat. Hein. Genre il me restait un cœur, j'étais en stress là permanent.
Le Ratalos s'est transformé en espèce de... de Rata Angel, là. ああ、随分長い下からな。帰る？忘れないうちに。そうだった。これを。あ、これは月乃が探し出してくれたんだ。ん？ありがとう。また会いましょう。あ。ところで、あいつは？ それが…どこへ行ったのかと思ったら、今日もここに。相棒はずっと待っているんだよ。レウスが帰ってくるのを。レウスが命がけで私たちを守ってくれた。レウスがいなければ、アルトゥーラを止めることはできなかったわ。そうだな。お前たちのおかげで、 マハナは救われた。それだけじゃない。カイルや月乃、それにここへ来るまでの旅で出会ったたくさんの人たちにも力を貸してもらった。レドも守りレウスも誰一人欠けてもできなかった。 Personnage a une voix. Ah, quel beau gosse.話して聞かせるよ。あいつやあんたたちと出会って旅をして、いろんな経験をしたこと。ライダーとモンスターの絆のことを。Eh ben bravo, applaudissons des deux mains. Eh ben, il était long en vrai le jeu, hein. On remercie toutes ces personnes. Désolé de skipper le générique. C'est franchement pas mal, hein. Moi, qui suis pas très... J'aime pas Monster Hunter de base. Mais j'ai bien aimé celui-là. Parce que c'est pas un Monster Hunter vraiment, quoi. Mais... Attendez, je pars après le dialogue. Ça servit à rien, t'as vaguement une forme de Super Saiyan et on sait même pas d'où tu viens, ce que tu fais. C'est dommage, il est vachement sous-exploité ce personnage, il est trop au rang de mascotte alors qu'en vrai je suis sûr qu'il aurait pu avoir un background de ouf. あそこはマハナに生息するモンスターを知る者は。ケイナの言う通り、竜の寄り地に生息するモンスターを。レドが、そう。あそこに足を。彼の地に赴き、世界で何が起きようとしているのか。Bon, je pense qu'il doit avoir des monstres genre gigabalèzes à récupérer, mais c'est trop tard, l'histoire est finie. お前なら、きっと。そうか。そうだね。君はもう。
よし、私にも手伝おう。ケイナ、この度の出来事の影響か、各地でより凶暴なモンスターが巣立って。Le jeu est fini, mais pas vraiment. Histoire que si tu veux continuer à jouer, il y a quand même des monstres un peu vénères. すべては自然。宇宙へ戻れば、アルマも力になってくれる。リベルトも帰ると。Et toi, des trucs post. Post histoire. Mais c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Alors tu apprends dans le premier opus et surtout dans l'anime que Naviro a subi des expériences et qu'il a des gènes de Xinogre. Ah ! Vous et Rata êtes victorieux, tu auras transpercé par les battements d'ailes de Rata et vaincu. L'impossible a été accompli grâce au lien entre vous et Rata et par la recherche constante de la vérité, c'est maintenant le début d'une autre histoire. Le repère ancestral est une large zone située dans les terres interdites, de nombreux monstres de haut rang y vivent, ainsi que des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs. Ouais, ça c'est pour choper des monstres. Voilà. Ah, on peut changer de partenaire de combat, ça c'est stylé ça. Mais bon, en vrai c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, moi c'était vraiment que l'histoire. Petit débrief de fin de ce Monster Hunter. Alors comme je disais, je suis pas du tout accoutumé à Monster Hunter, j'aime pas du tout Monster Hunter. Alors j'aime pas Monster Hunter à cause des monstres mais à cause de son gameplay lourd. Alors que j'ai toujours kiffé les monstres et tout, j'ai toujours trouvé le concept intéressant mais... En gros il aurait fallu qu'il fasse une arme avec des flingues où on peut dash partout, un peu à la Devil May Cry, et on n'ait pas cette espèce de système de lourdeur. À la limite j'aurais peut-être kiffé le jeu. Mais le jeu est beaucoup trop lourd pour moi et c'est pour ça que j'aime pas World. J'ai essayé sur PC, j'ai essayé sur PS4, j'avais pas aimé. Je vais essayer sur PC, peut-être qu'avec 60 images par seconde ça passera mieux. Non, ça passe pas non plus, j'arrive pas alors que ça a l'air vraiment trop cool mais I can't. Et j'ai jamais réussi sur PSP à l'époque, sur la 3DS, j'ai essayé à chaque fois et... Sur chaque génération de console en fait, j'ai essayé sur PSP, j'ai pas aimé, sur PS, j'ai pas aimé, World, j'ai pas aimé. Et quand j'ai vu qu'il y avait celui-là en système de tour par tour, je me suis dit bon allez... Et franchement c'est horrible parce que je me Monster Hunter en vrai, c'est trop stylé. Mais voilà, j'espère que... Ils feront un jour un gameplay rapide pour les personnes comme moi qui n'aiment pas la lourdeur. Mais en tout cas, vraiment très cool ce jeu. La fin était top. J'ai bien aimé, même si ça faisait un petit peu fairy tale. Hein, un petit peu en mode, ouais les amis, l'amitié, tout ça. Mais sinon, franchement, le jeu était top. En tout cas, heureusement que j'avais mis mon charme de résistance là. Je pense qu'il m'a grave aidé là, les 9% là. Et le petit charme de puissance. Ouais, Scalebound, ça aurait été stylé. Bah, c'est Microsoft, ils demandent une exclue, on leur donne, ils sont là, moi non. Alors qu'en vrai, je suis sûr que le jeu aurait été incroyable. Enfin voilà. Piqué, or plus, retourne son apparence originale, mais toujours aussi douteux, augmente le nombre d'équipes d'expédition jusqu'à 6. Ok. Bon. Bah c'est ici que je clôture la VOD, que je vais clôturer le jeu aussi. Je sais pas ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait quoi? A plus YouTube, j'espère que vous avez kiffé, et puis à la prochaine pour... Le prochain...